Bonjour, le comptoir par CPR va bientôt fêter ses 4 ans, l'heure de tirer un premier bilan de son activité avec Vincent Roinel qui est le responsable commercial pour les CGPI. Vincent, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va et vous? Un premier bilan alors? Alors en 3 ans et demi, nous avons réalisé une collecte de 450 millions d'euros nets, ce qui nous positionne année après année entre la 3e et la 5e place auprès de nos partenaires assureurs. Mmh. 2014 s'annonce comme un bon millésime. Mmh. Et donc, auprès de l'offre au niveau des CGPI, nous avons su répondre à leurs attentes avec une offre en fonds diversifiés, en fonds actions, en fonds obligataires et également en pierre papier, SCPI et OPCI. Et c'est quoi la particularité de l'approche? Alors, le comptoir par CBR combine la puissance d'un grand groupe et la proximité d'une boutique. Mmh. Donc, nous avons sélectionné un best-of de toutes les gestions Amundi Immobilier et CPR Asset Management. Et alors, quels sont les fonds phares en termes d'offres? Alors, dans les fonds diversifiés, tout d'abord, nous proposons une offre de 3 fonds. CPR Croissance Prudente, qui est un fonds investi entre 10 et 30% en actions. Mmh. CPR Croissance Réactive, qui lui est investi entre 20 et 80% en actions. Et enfin, First Eagle Amundi International Fund, qui est un fonds à dominante value, action, mmh, avec une possibilité de diversification en cash et en titres liés au secteur de l'or. Alors, ce fonds est géré depuis New York et bénéficie d'un bon historique de performance et également d'une bonne maîtrise de la volatilité. Et en obligation alors? Alors, dans la catégorie obligataire, nous proposons Amundi Oblig International, mmh, géré depuis le centre de Londres et bien connu de nos partenaires indépendants. Et en action alors? Alors, en gestion action, nous avons sélectionné un fonds qui joue la thématique du vieillissement, CPR Silver Edge. On l'a créé en 2009, ouais, et il jouit d'un excellent track record. On passe à l'immobilier maintenant. Qu'est-ce que vous avez dans ce domaine? Alors, en tant qu'acteur majeur de l'immobilier, nous avons sélectionné 2 SCPI. Mmh. Edissimo, tout d'abord, mmh, une des SCPI les plus anciennes de la place, 1,5 milliard sous gestion, majoritairement investi en immobilier bureau francilien, mmh, et également Rivoli Avenir Patrimoine. Ah bah oui, celle-là, on la connaît. Alors, deux mots sur Rivoli. Alors, Rivoli, c'est vraiment la SCPI parisienne de référence. Ça vous plaît, oui. Voilà, avec un inventaire de plus de 48% mm-hmm d'actifs dans Paris intramuros et plus de 82% d'immobilier de bureau. Et en matière d'innovation, alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, deux innovations pour 2014. Tout d'abord, mm-hmm, CPR Croissance a un petit frère, CPR Croissance Dynamique, mm-hmm, éligible au PEA, qui sera investi entre 60 et 100% en mmh actions. Mmh. À côté de cela, nous avons donc un développement avec l'OPCI, ouais, et Opsimo. Ouais. Opsimo est un véhicule qui aura jusqu'à 70% de son actif investi en immobilier physique et la possibilité pour les investisseurs d'avoir une liquidité sous 2 mois. Ah, ça c'est bien ça. C'est effectivement un avantage non négligeable dans l'immobilier. Vincent, pour terminer très vite, vos ambitions pour cette année? Encore plus accompagner les partenaires. Oui, bah ça c'est la moindre des choses, hein. J'espère que vous le faites déjà. Oui. Bien sûr, oui. Leur assurer de la qualité de service, la qualité de reporting. Oui. Accompagner également les initiatives de place, mm-hmm, et les lancements de nouveaux partenaires. Vincent, merci beaucoup. Merci beaucoup Bogdan.